Je cite une femme qui est morte il n'y a pas longtemps, Viviane Forrester, je te donne. Viviane Forrester, elle a dit encore mieux que l'amour, c'est le respect. Le respect, et le respect, je vous ai déjà dit, c'est avec le doute. Il faut savoir douter. Il faut être contre la pensée indique. Ernest, je veux dire quelque chose. Simplement, notre ennemi, il a l'intérieur de nous. Donc, il faut absolument prendre conscience de cela. Si, par exemple, je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez bien. Si vous voulez être un jardinier, il faut que vous appreniez le métier du jardin. Maintenant, si le jardinier reste sur sa chaise pour désherber le jardin, mais je vous le dis en toute vérité, c'est les ronces qui vont le recouvrir. Eh bien, pour ce qui est de l'ego qui nous habite intérieurement, c'est pareil. Et comment nous allons lutter contre cet ego qui veut nous perdre, qui assure notre individualité? Eh bien, c'est la supraconscience d'amour inconditionnel universel christique. Il n'a que ça, il va faire la différence. Il faut en prendre conscience. Merci, Amos. Merci. On va revenir.